Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Europa Universalis 4 dans notre partie avec les Ottomans. La Bohème m'appelle à l'aide, si je puis dire, contre la Pologne et la Lituanie, alors qu'ils sont encore alliés avec le Danemark. Elle prend des risques du fait que je sois un gros pays, je comprends. La mauvaise nouvelle pour moi, c'est que j'ai plus aucune revendication sur la Lituanie et la Pologne parce que je les ai pas renouvelées. La bonne nouvelle, c'est que j'aurais pas tellement besoin de m'appliquer, je vais quand même envoyer quelques armées dans le secteur. Voilà. Et j'ai réduit ma latitude de guerre pour être sûr d'être à zéro et pour éviter d'avoir de l'usure tout de suite. On va attaquer ce pays pas très allié à qui que ce soit en même temps. On va accepter, enfin dans le mois qui suit plutôt. Et ça se trouve, sur ce coup-là, la Bohème prendra plusieurs territoires et deviendra plus grosse et la Pologne plus petite. Après, la Pologne plus petite, ça m'intéresse pas forcément, c'est-à-dire que la Moscovie pourrait manger des territoires sur la Lituanie. Sauf que tant que je les ai avertis, ils sont pas censés manger nos gars. Kazan, ils peuvent, parce qu'on n'a pas de frontière avec eux. D'accord. Alors, Venise, Baloutche et Yémen. Je pourrais avertir plein de gens, ça coûte pas grand-chose. Timoride par exemple. Et puis ça concerne que les attaques contre des pays qui sont mes voisins. Va peut-être s'accrocher à Ajam. Allez, c'est parti. Battons-nous pour Erevan. Ouais, ces services pourraient être utiles, puissance des missionnaires. Il va me coûter un peu cher par contre. Pas tellement plus cher que le plus 2. Donc on va le prendre. Baloutch s'est retiré. Conversion des Irakiens qui se soulèvent. Ah, par contre, je suis désolé pour Ajem qui se prend des rebelles. Enfin, des armées. Les armées vont sûrement focus à Ajem. Peut-être trop de troupes de ce côté-là, on va réenvoyer un petit paquet. Tant que le Danemark n'est pas impliqué. Accueillons-les donc. Hein. Je reçois des troupes, des lettrés des Ottomans qui se sont réfugiés. Bon, le siège devrait avancer sans souci. Avancer sans souci. Pas très envie de m'éloigner, mais ce serait une bonne idée quand même. Est-ce que la Bohème perd sur son sol? Alors c'est eux qui se sont accrochés à nous, ils ont un général, allons direct à Varsovie. Ne perdons pas une seconde de plus. Ouais. Alors, les attaquer, pourquoi pas? Les attaquer quand ils sont aussi nombreux que ça. On va y réfléchir un peu plus. On va peut-être attendre une autre armée. Silei s'en va. J'ai une armée de 13 là. Ils peuvent faire le boulot. Fin du siège de Ardabil et d'Erevan. Valara a été converti. J'ai pas accepté les. Si, c'est des Roumains, d'accord. Ah, je peux à nouveau convertir facilement tout le monde. Il y a plein qui comptent pour 0%. Elle réduit actuellement. Convertir. Là, on va accroître notre unité religieuse de 0%. Peut-être que parce que c'est des hérétiques. Je sais pas trop.
celle-là qui compte le plus, par exemple, elle compte 1. 1 et elle est convertissable facilement. Hop, c'est parti. Varsovie est tombée. Les Polonais, il semblerait que vous perdiez. Danemark est pas trop là pour vous aider. Encore un siège qui tombe. On va étaler nos troupes. À la foi sunnite. Ah, ils ont changé de religion. Probablement suite aux rebelles qui avaient frappé quelques épisodes plus tôt. On a été trop lent pour sauver le fort, c'est pas grave. On va aller sauver celui-là, il est en terre aride aussi. Des territoires très surélevés sur la carte, parce que ça doit être des hauts plateaux, mais c'est des hauts plateaux arides. Enfin, qui sont pas considérés comme collines et hauts plateaux. Ah, j'ai perdu. Il y avait des Danois, j'ai pas fait gaffe. Quelques troupes par là. Grosso modo, les autres. Non, pas toi là. Non, oh, pardon, vous. Et vous. Et vous. Vous vous regroupez en crime. Kérim. Ah, bon, ils ont des conflits intérieurs, les Ming. Ils ont lâché à peu près tout leur territoire. Maintenant, c'est des conflits intérieurs, mais officiels. Ils sont alliés à quelqu'un? Oui, ils ont plusieurs alliés. Hormuz. Oh, Hormuzienne Khorasan, j'avais pas vu ça. Ah donc au lieu de se rassembler là-bas, vous allez vous rassembler là-bas. Vite, 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 trop tard. On va peut-être perdre. Ouais, on repère. C'est un peu difficile pour moi de manager deux guerres à la fois. J'avoue. On a 4 de score de guerre dans une des guerres. Pas trop suffisant pour arrêter. On va essayer de sortir Hormuz. En leur prenant une province. Province super riche ici. Kawasim. Et Mangrezan, je sais pas s'ils ont des provinces à rendre. Non. Donc on va juste essayer de les faire sortir. J'ai 31 000 hommes. Hop, on va écrabouiller les armées. C'est des montagnes. On va piquer un peu. Beaucoup, en fait. On a quand même gagné, on a perdu plus d'hommes à cause du terrain. Ils sont pas partants pour sortir juste comme ça. C'est dommage, je trouve. Je leur ferai une bonne passion, une bonne façon de sortir. Occupons-nous des rebelles, on a un commandant sur une des armées ou pas? Même deux. Meilleur servira au siège, on verra. Un 2 étoiles, très bien.
On va laisser faire les Imoukiens parce que je pourrais m'en faire un vassal si jamais il se libère. Sachant qu'il n'a pas de territoire à réclamer chez moi. J'aimerais garder le fort. Je sais pas si j'ai assez de troupes pour gagner. Désorganisons-les. Ça s'est fini un peu serré. Et j'ai plus assez de troupes pour faire le siège. Nickel. Enfin, nickel. Je vais me surplayer sur l'un des deux. Ok, vous êtes en prairie. Dans un coin isolé. Alors, Ormuz, je réclamerais bien une paix séparée. En tout en cédant cette province-là. Ils veulent pas. Le gars, il a rejoint la Koa. Peut-être que je peux rafler le contrôle du fort assiégé. C'est pas un fort, c'est juste une province. Le fort est là. D'accord. Séparatistes omanais. Peut-être que juste si j'ai beaucoup de leur province, ça leur suffira. En effet. Et les autres, on va faire les paires en même temps. Parce qu'il y en a un à qui j'ai des trucs à demander et l'autre où j'ai rien à demander. Oh, Jam, tout ce que tu peux. Cède-moi ces trois territoires-là. Et c'est fini en fait. Non, j'ai peut-être demandé d'autres. J'ai revendiqué d'autres territoires. On va prendre ce que j'ai revendiqué. Et voilà. Là, on est pas mal. Faut que j'attende au moins un jour. D'accord. Moscovie, ça fait un peu plus. Khorasan. Timoride, on s'enfonce dans le. Ils sortiront jamais de la Koa. Kazan, il pourra rejoindre. J'ai envie de quand même demander tout ça. C'est Gazikmuk qui revendique juste que là. D'accord. Voilà, ça m'a permis de gagner mes territoires. Ajam va probablement devenir plus fort militairement. J'ai une armée là qui fait rien du tout. Vilnius est tombé.